Hey, bonsoir la France et bienvenue dans le 11e épisode, peut-être dernier épisode de Nancy Drew, le chaton hanté de Maloa. Et oui, j'étais en train de réfléchir à un truc. Alors déjà, première chose, les poupées. Ah, je peux pas vous montrer le papier, mais oui. Les poupées, je ne peux pas le faire car il m'en manque une. Il y a une poupée rousse avec une cravate là que je n'ai pas. Donc déjà, cette poupée, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire le truc de poupée. Donc je suis bien obligé de faire ça. Donc c'est le seul papier qui me reste. On voit bien ici qu'il y a un code. Et donc, cartographie nautique par Jack Stakes, ça doit être des numéros de bouquins qu'il va falloir que je foute là-dedans. Enfin, des numéros ou des lettres en fait, parce que c'est des lettres qu'il nous faut. Donc cartographie nautique par Jack Stakes, je me suis dit, dans la bibliothèque, il doit certainement y avoir. Il y a. À notre cher ami, tu nous rejoindras bientôt ici dans un an. C'est là que tu seras. Ah non, 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 va falloir que ce soit plus clair que ça, là, ça va m'énerver sinon. Comment ça, à notre cher ami, tu nous rejoindras bientôt ici, dans un an, c'est là que tu seras. Mer des Carambes. Carambes. Caraïbes, hein, sûrement. Océan Atlantique. Ok, bon. D'accord. Pas bien ce que ça signifie, mais ok. Admettons. Zoopraxiscope, animaux en mouvement, hydroponie, bon bref, il faut que je trouve trois bouquins quoi. C'est quoi le bouquin sur la table? Oh là là, il va falloir les retrouver tous. Les animaux innombrables dansent en cercle, celui du milieu répondra assurément à l'énigme. Doté de quatre pattes, il fait l'envie de ses amis. Oh là. Décidé de me rendre chèvre le jeu. Il veut que je meure, il veut que je fasse une tachycardie. J'apparais dans ce titre en bonne position, même si ce n'est pas la première. 17. Même si ce n'est pas la première. 17e lettre de l'alphabet, je prendrai ma place dans la racine cubique de 8. Non mais hé hey. Bon, déjà 17e lettre d'alphabet, je suis nul, donc A, B, C, D, U, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, j'ai vu. 17e lettre d'alphabet, donc je prendrai ma place dans la racine cubique de 8. Racine cubique. Qu'est-ce qui fois lui-même fois 3 égale 8? C'est ça? Non. Si, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Qu'est-ce qui fois. Parce que au carré, c'est qu'est-ce qui fois lui-même égale 8? Donc c'est 4? Non, qu'est-ce que je dis? Non, il n'y a pas de racine carrée de 8. Racine carrée de 10, de. Racine carrée de 25, par exemple, c'est 5. Qu'est-ce que je parle de racine carrée, moi? Au carré. Ah oui, racine carrée au carré. Oh là là. Mais cubique, racine cubique? Il me semble que c'est un 3. Donc ça veut dire qu'est-ce qui lui-même fois 3, c'est-à-dire que tu fais 2 fois 2 fois 2 égale 8. Je crois que c'est 2. Donc on va dire 2. Donc en 2, on a Q. Ça, au moins, on a. Ok. On a placé Q. Incroyable. C'est déjà ça. Bon, l'autre étagère, le dernier bouquin, j'espère. Trois années d'études en retirant les voyelles, j'ai découvert que la dernière consonne était la clé. Trois années d'études en retirant les voyelles. Ok, bon, maintenant que j'ai trouvé ça, Kyler, est-ce que tu sers à quelque chose? Tu as une Mais piste? c'est Je vais fou! aller jouer les détectives. Eh, Bonne chance. depuis le coup des valises, ils ne disent plus rien. Ils en ont plus rien à foutre, eux. Ils font leur vie. Bon, j'ai le cul en deux. Voilà. Faites ce que vous voulez avec cette phrase. Les animaux innombrables dansent en cercle. Celui du milieu répondra assurément à l'énigme. Doté de quatre pattes, il fait l'envie de ses amis. Les seuls trucs que je vois qui pourraient coller, c'est le jeu là avec ce que j'ai fait là, mais j'y ai plus accès. Les animaux dansent en cercle. Les animaux dans ce temps-ci. Mais où, mon ami, mais où? Les animaux dansent en cercle.
Non. Non, je vois pas. Celui du milieu répondra à votre question. Je saisis pas. Ici, tu veux quoi? À notre cher ami, déjà qui c'est? Tu nous rejoindras bientôt ici, dans un... Parce qu'on dirait que c'est un peu en gras, vous voyez? En un an, c'est là que tu seras. Dans un an. Dans un an, la mer des Caraïbes, c'est l'Atlantique. Je suis censé trouver une lettre. Bah voyons. Bon, lui, on sait, c'est le cul. Je sais que la cinquième lettre, c'est une consonne. Attends, donc il y a les animaux. Bon, doté de quatre pattes, je pense que ça veut dire que c'est la quatrième lettre. Bon, par contre, celui du milieu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, moi je le comprends comme ça. Zoopraxiscope, là. Parce qu'apparemment la lettre est dans le titre. Zoopraxiscope. Zo, les animaux. En cercle, scope. Non, j'en sais rien. Je sais pas, je cherche n'importe quoi. Mais celui du milieu. Eh ben, X. 4 pattes en quatrième position. Donc X en quatrième position. Q2, X4. Bon, par là-dessus. Donc ça c'est Q. Lui, c'est quoi déjà? 1, C. 1, C. 1, C. 1, C. 1, C. 1, C. Non, je vois pas. Celui-là, je vois pas ce qu'il veut me dire. Regarde l'autre. Mais il m'en manque pas un, là. Non, il n'y a que 4 bouquins. C'est ça le problème, il n'y a que 4 bouquins. 3 années d'études. 3 années d'études. En retirant les voyelles, j'ai découvert que la dernière consonne était la clé. En retirant les voyelles. En retirant les voyelles de 3, TRS. Je comprends pas. En retirant les voyelles. De hydroponie? En retirant les voyelles d'hydroponie. Ça fait HDRPNE. Non, pas E. HDRPNE. Et N. Ah, la dernière consonne, donc N. X4, N5. Ah bah non, en 3, je suis con. 3, bah oui, 3. Donc N3, ça fait X. Non, ça fait QNX. QNX. Le milieu, c'est QNX. Et en 1, c'est C, en fait. En 1, c'est C. C. 1, C. Ça peut-être pas si con le Bobby finalement. Je sais pas la dernière, mais on la piffera. Je veux dire, si j'ai les 4, j'ai les 5. Ça va aussi vite que ça. Hein. De toute façon, j'ai que 4 bouquins. Donc... Mais j'ai pas que Nancy. Attends, comment le truc a réussi à voler si j'ai le jetpack? Ah là, le jeu m'intrigue. Le jeu a réussi à me choper là. Ah, le jeu a réussi à me choper là. Comment ce truc a pu s'envoler alors que j'ai... C'est moi qui ai le jetpack. Bon, on va dire qu'elle avait deux jetpacks. Donc, on a dit, en 2 c'est Q. En 3 c'est N. En 4 c'est X. Et en 1, c'est C. Et après... Je lui laisse le temps, hein, on sait jamais.
Donc ce serait passé. Faut pas que j'appuie quelque part. Ma QNX, franchement, ça me paraît inévitable. Écoute, moi il me manque que deux lettres, hein, donc si tu veux que je le piffe, je vais le piffer. Hein. Pas moi. Je sais pas moi, de toute façon. Qu'est-ce que. En fait, quoi? La Banshee voulait que je le suive? Il est parti par là. Sur le dessin, il y a un truc. Ah, c'est ça qui est sur le dessin! Ah oui, bien sûr, bah oui. Bon, c'est moi, là moi je suis con. Carrément, quoi. Carrément, ils ont gravé dans la... Hey, les... Quand je vous parle des fois de la cohérence des énigmes, c'est fou! C'est-à-dire que là, ils ont gravé dans la roche un N5 pour que tu te dises, ah, c'est 5 en N, quoi. Non mais sérieusement, quoi. Non mais en plus, j'ai regardé le dessin, je suis retourné voir le truc rond, je dis ça sert à rien, mais oui, mais sur le dessin, c'est les rochers qui sont inscrits. Bah oui, je suis con. Ok, bah c'est bon. Ok, on a trouvé le dernier. Alors là, ça faisait sens, c'est juste moi, je suis un peu con. Donc c'est... Q... Alors, je suis parti que c'est pas N au milieu, finalement c'est L, parce qu'en fait, toutes les lettres, t'enlèves toutes les consonnes, bah il reste sol en dernier, donc c'est N, L... Dernier c'est X et donc en 5 c'est N quoi. Ok. Cependant, je tiens à dire quand même une chose, c'est que je suis venu piffer tout à l'heure quand j'avais changé le L et que je l'ai fait celle-là, CQXL machin, je l'ai fait. Je l'ai piffé. Mais le jeu ne m'a pas autorisé. Il m'a dit non, 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 tu n'as pas vu le rocher, ça compte pas. Allez, encore de la piterie du jeu. Je dirais que cette poupée me représente. C'était rousse toi maintenant. Bien. Donc c'est une poupée Nancy. Ah, la clé dont j'ai besoin, il me semble. Fiona. Ok, Fiona. Ah bah c'est la petite qui est... Non, juste une... Il y a une histoire sur une petite, non? Le bouquin. Oh putain. Bon, trois pages. Malgré mes réserves, Brendan a fabriqué un jetpack pour Fiona. Ah bon. Ses supplications permanentes pour utiliser le sien étaient devenues insupportables. Brendan a déclaré que cela l'aiderait à gagner en responsabilité. Je dois admettre que la joie qui m'a illuminé son visage quand il lui a offert, ainsi que sa promesse des plus sincères d'en prendre le plus grand soin, m'ont à moitié convaincu de justesse de sa décision. En outre, le travail de Brendan nous a beaucoup isolés et j'ai le cœur empli de tristesse quand je pense à sa solitude. Maintenant, elle est partout. Maintenant, elle va partout, autour du château, au-dessus du marécage et vers les îles. Et vu que Brendan est encore plus absorbé par ses nombreux tests sur ses combustibles liquides, c'est à moi désormais de l'utiliser son jetpack pour l'accompagner et surveiller quand elle semble avoir un esprit trop aventureux. Brennan a facilité mon travail en équipant le jetpack de Fiona d'un système qui le fait descendre automatiquement quand elle essaye de sortir des alentours du château pour aller vers la ville. Les feux d'artifice créés par les tests de lancement de Brendan sont suffisamment faits jaser les gens. Si quelqu'un venait à apercevoir Fiona dans le ciel de Sailor ou Baylor, donc finalement c'est Baylor le nom de la ville, cela signerait la fin de notre vie heureuse ici. Heureusement, mon travail de nuit quasi quotidien à l'auberge me permet d'entendre toutes les rumeurs. Je peux ainsi faire taire celles qui concernent le château malois en attribuant les étranges lueurs clignotantes que certaines personnes ont déclaré avoir vues à une forte activité féerique, ce qui est une explication des plus sensées pour un grand nombre de mes voisins. Et je ne m'en plains pas, du tout. Brendan a réussi à berner tout le monde en faisant croire qu'il travaillait sur un nouveau carburant pour véhicules blindés. En fait, il fait parfois visiter son faux laboratoire, celui qui se trouve à côté de la bibliothèque, afin d'appuyer son subterfuge. Si quelqu'un venait à découvrir ce qu'il fait réellement dans le vrai laboratoire, eh bien, j'en frissonne par avance. Bon sang. Fiona vient de franchir la fenêtre avec son jetpack. Le moment est venu pour moi de m'équiper du mien et de la suivre.
Donc carrément le jetpack depuis longtemps quoi. Ok. Ok, carrément. Carrément, le gros jetpack family quoi. Et c'est tout ce qu'on a. On a un recueil, etc. Bon, on a la poupée. De toute façon, déjà. Est-ce qu'elle est sur le tableau, Fiona? Ah oui, elle est là. Fiona, elle est là. Brendan, donc c'est Caitlin. C'est le journal de Caitlin que je viens de lire. Qui ont des astérisques. Tous, en fait. Ils ont tous un astérix. Sauf eux, là. Eux, et puis lui, et puis lui. Mais ça veut dire qu'il devrait y avoir Kyler sur ce dessin. Bah non. Pourquoi il y a des McDonald's? Il y a des Malois. Genre ça démarre en Malois. Bon, après donc t'as la fratrie Malois. Puis après t'as des Malois. T'as Thomas Malois qui s'est marié à Sinette Donnelly Malois. Et ils ont fait des McDonald's. Ah, parce qu'en fait, ils ont fait une fille qui s'est mariée avec un McDonald's, bien sûr. Bien sûr, logique. Et puis c'est Baron Reed, et puis... Comprends pas vraiment. Kyle Milo. Non, c'est pas Kyler. Je sais pas. Je sais pas ce qu'on va en faire de ce truc, mais bon. Moi, j'ai ma poupée. Mais attends, alors, ça voudrait dire... Mais oui! Fiona, elle a un jetpack, donc le truc que j'ai vu voler au-dessus de moi quand je suis sorti, c'est Fiona avec son jetpack. Fiona ne serait donc pas morte. Elle aurait vécu toute sa vie dans le marécage. Alors, voilà maintenant que j'ai la poupée Nancy. Mais elle avait pas une clé sur elle? Mais oui, j'ai trouvé une clé en plus. Bon, faisons ça d'abord. On verra. Attends. Zut, déjà, premièrement. Si jamais c'est pas dans le bon... C'est-à-dire que si un des deux est plus important que l'autre, il faut le faire avant, je reviendrai, je rechargerai. Donc... Oh, je me prends la tête là-dessus. Je voulais finir les jeux dans cet épisode, mais ça va être très dur. Alors, on sait que lui, il est... Ah, on sait que la vache est au-dessus de lui, mais que lui est au-dessus du bleu. Donc lui est au milieu. Donc la vache, déjà la vache est au sommet. On le sait. La vache est au top et elle est à gauche du bleu. Hein? Ah mais à n'importe quel étage. Oui, donc elle est forcément à gauche, de toute façon, elle est à gauche. La vache, ok, on a la place de la vache. C'est bon, j'ai gagné. Bon, la vache, ok. Et donc la vache, on sait qu'elle est en milieu, mais on sait que le bleu est en bas du coup. On sait d'ores et déjà que le bleu est en bas. Et que tous ceux-là... Ah non, eux, ils sont à gauche, mais par rapport à lui. Mais sur n'importe quel étage. Par contre... Bon, c'est tout ce qu'on sait globalement. Ok, d'accord. Seulement, on sait que le bleu est au-dessus de la blonde. Donc, le bleu est là. Donc, on sait d'ores et déjà que tout ça, là, tous ces gens-là, tous eux-là, tous, ils sont au milieu. Ça, c'est sûr. Et on sait que lui est à gauche à n'importe quel étage, mais il peut être en bas. Il peut être en bas. Ah oui, la blonde, on sait qu'elle est en bas. Eh oui, on sait que la blonde est en bas. Donc la blonde, elle est juste en dessous d'ailleurs. La blonde est juste en dessous. Pourquoi j'ai mis le bleu tout en bas Ah, parce qu'il est en dessous de la vache. C'est une sorte de vache, je ne sais pas. Donc attends. Ah, mais lui, bon, à n'importe quel étage, donc ça c'est pas grave. Mais lui est au-dessus. Du cochon, donc on sait que le cochon est en bas maintenant. Qui est à la gauche du chat. Le chat il est peut-être jusqu'à là, on sait pas. Lui, on sait qu'il est juste à côté. Enfin, pas juste à côté, qu'il est à côté d'eux. On sait qu'il y a la bleue ici. La bleue, par contre, elle est au-dessus de la blonde. La blonde, elle est à côté de Nancy. Et de la verte. Mais on sait que la verte, elle est quand même à côté de lui. Mais que lui, il est à côté... Mais on est bon, là. Non? Non, c'est drôlement piffé, mais je trouve qu'on n'est pas loin, là. Attends. Ah, non, le chat est au-dessus de la verte. Bah, j'ai bon. La bleue est au-dessus de la blonde, j'ai bon. La vache est au-dessus du bleu, j'ai bon. Écoute-moi bien le nain jaune. Bleu à côté de vache, à côté de lui, à côté de chat, c'est bon. Le chat est à droite du cochon, c'est bon. Le
cochon est à gauche de elle, qui est à gauche de lui, qui est à gauche de lui, c'est bon. Lui est à gauche de la vache, c'est bon. Celle-là est à côté de Nancy, qui est à côté de la blonde, oui. La vache est à gauche du... Ah, le bleu est à gauche de Nancy. D'accord. C'est là que ça tilte. C'est un vieil easter egg de ta race. Vraiment. Donc en fait, le lapin bleu, ce livre, que tu vois, premier, hein, numéro 1, épisode 1, je l'ai vu ce bouquin, c'est pour un easter egg que tu vas trouver 1000 ans après. Comme quoi, j'ai bien fait de faire ça avant d'aller utiliser ma clé. Parce qu'évidemment, tout va se passer avec la clé. Donc, zut. Easter egg à la con. De toute façon, c'est pas nouveau. Toujours dans les Nessie Drew, je trouve les easter eggs sans faire exprès. Sauf au début. Au début, je les trouvais pas. Au début, je pouvais faire tout le jeu sans les trouver. Maintenant, je les trouve. C'est assez décevant. Bon, bah maintenant c'est The Answer la réponse, hein. On va se faire agresser direct. Heureux sixième anniversaire à ma fille chérie. Chère Fiona, tu es la lumière de notre vie. Notre plus profond amour pour toi toujours. Joyeux anniversaire, mon cœur. C'est tout. Quand je vais me retourner, attention. Voilà. Oh mon Dieu, je suis désolée. Je ne devrais pas être ici. C'est votre maison, n'est-ce pas? Je m'appelle Nancy Drew et vous êtes Fiona, c'est bien ça? Fiona Malois. Comment ça bouge dans la Fiona, tête? C'est trop mal fait. Écoutez-moi, je ne vous veux aucun mal. En fait, je cherche quelqu'un, un jeune homme qui se prénomme Matt. Vous l'auriez peut-être vu. Fiona? Trop près là, trop près. Carrément quoi. C'est du FPS quoi, ça me fait flipper. Oh là là. Oh, la flip est incroyable. J'ose même pas regarder. Il va y avoir un vieux screamer là dans 3 secondes. Je hais ça. Oh bah tu parles d'un truc rassurant. Bon, allume la lumière. Non, ne touchez pas ça. Matt? Non! Super. Bon sang. Me voilà prisonnier de ce côté et vous de l'autre. Mais il n'y a pas de mal. Je suppose que vous êtes Matt. Moi, c'est Nancy Drew, la demoiselle d'honneur. Enchanté, vraiment. Vous n'auriez pas sur vous une machine excavatrice pour sortir d'ici? Non. Ou de la nourriture? Oh oui, quelque chose à manger. Un ou deux gâteaux, du chocolat, n'importe quoi en fait. Désolée. Les seules choses que me donne cette femme loqueteuse, ce sont des carottes et des pommes de terre. J'erre ici depuis des jours. J'aimerais manger quelque chose de sucré ou de gras. De la vraie nourriture, quoi. Elle vous nourrit? De temps à autre, le silo s'ouvre en coulissant. Et elle se tient là. Et elle me dévisage. Puis elle me bombarde de légumes avant de repartir, en refermant le silo. À chaque fois que je lui parle, elle grogne, comme si elle comprenait ce que je lui dis. Mais elle refuse de m'aider. C'est comme si j'étais son animal domestique ou son compagnon. Et maintenant, on est deux. Proms pour les pommes de terre. Pourquoi cette porte s'est refermée quand j'ai appuyé sur cet interrupteur? D'après ce que j'ai pu comprendre dans les papiers et les dessins que j'ai trouvés, vous êtes dans le laboratoire du gars qui vivait ici pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est ici qu'il faisait ses recherches top secret. Et il travaillait sur une nouvelle sorte de combustible pour les machines volantes, les fusées, etc. Visiblement, pour empêcher tout intrus de pénétrer dans son laboratoire, il avait installé différents systèmes pour condamner l'endroit. Et il pouvait les activer en appuyant sur de simples boutons. Cette grille et toutes les autres s'ouvrent quand notre hôtesse décide de nous nourrir. L'ouverture des portes du silo semble réinitialiser le tout. Et c'est la seule sortie, vous pouvez me croire. Kyler et Kit pensent que vous avez disparu pour leur jouer un sale tour. C'est une supposition sensée. Il est vrai que j'aime souvent faire des blagues, et que j'y prends plaisir. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça.
En fait, ils ont même plutôt raison. La vérité, j'ai découvert par hasard l'entrée d'un passage secret dans la chambre d'enfant. Et j'ai pensé qu'il serait des plus amusants d'y imiter des bruits de fantômes pour effrayer Kyler. Mais subitement, ce corbeau est entré par la fenêtre et s'est précipité droit sur mon visage et mes yeux. J'ai reculé dans le passage pour tenter de l'esquiver. Et je suis tombé dans un trou l'instant d'après. Heureusement, la chute n'a pas été longue. 2 mètres tout au plus. Je me suis relevé et malgré la perte de mes lunettes et l'obscurité qui régnait ici, j'ai commencé à examiner le mur pour chercher une échelle ou le moyen de sortir d'ici. Mais à la place, ma main a frôlé une sorte de bouton sur lequel j'ai malencontreusement appuyé. Une sirène a retenti. La porte du dessus s'est refermée et je me suis retrouvé prisonnier. J'ai crié jusqu'à m'enrouer, pour rien. C'était trop tard. Alors j'ai exploré le tunnel à la recherche d'une sortie jusqu'à ce que je découvre le laboratoire dans lequel vous vous trouvez. Ensuite, j'ai appuyé involontairement sur le même bouton que vous. La sirène s'est arrêtée et une autre porte s'est refermée. J'étais encore plus pris au piège que l'instant d'avant. Peu après, les portes en haut du silo se sont ouvertes. J'ai levé la tête et, en plissant les yeux, j'ai aperçu une vieille femme aux cheveux longs, vêtue d'une grande robe loqueteuse qui se tenait là, à me fixer. Je l'ai appelée et je lui ai dit qui j'étais et ce qui s'était passé. Bref, je lui ai tout dit, jusqu'à m'enrouer une nouvelle fois. Mais elle ne bougeait pas. Je lui ai même lancé mon alliance pour qu'elle me sorte de là en échange. Mais elle n'a rien fait. Rien. Kyler fait de son mieux pour ne rien montrer, mais elle s'inquiète vraiment beaucoup à votre sujet. Le pire, c'est que mon enthousiasme à lui faire une blague va finir par ruiner notre mariage. Elle va être tellement déçue et humiliée, consternée. Elle ne me pardonnera jamais. Je suis un véritable imbécile. Je l'aime tant et j'ai tellement de chance. Un débile comme moi et une femme aussi belle et intelligente qu'elle. Mais que je sorte ou pas d'ici, je vais la perdre à jamais. Je suis le roi, l'empereur même des imbéciles. Pendant quelque temps, Kit était convaincu que vous aviez disparu parce que vous ne vouliez plus vous marier avec Kyler. Ça ne me surprend pas. En fait, peu de temps après notre arrivée ici, il m'a dit que j'allais commettre une erreur monumentale et que je devrais annuler mon mariage. C'est bien à cause de ce genre de réflexion que je ne lui ai pas demandé d'être mon témoin. Oh, j'ai bien évidemment imaginé un prétexte pour expliquer mon choix, mais... Kit est et sera toujours mon meilleur ami. Mais le choisir comme témoin, alors que je savais qu'il était toujours épris de Kyler, eh bien, j'ai préféré éviter ça. Monsieur Delany, le gardien, il pense que vous avez été enlevé par des fées. Vous savez, ce vieux fossile superstitieux et ridicule me manque. Kit et moi avons passé la majeure partie d'une soirée à tendre des câbles dans le jardin, pour lui faire croire qu'un léprechaun s'activait dans les buissons. Malheureusement, une vilaine branche s'est cassée et a frappé Kit en plein dans l'œil. Sauf que Monsieur Delany ne se trompe peut-être pas tant que ça, si on considère que nous ne savons rien de la chose qui nous a emprisonnés ici. Je suis presque sûre qu'elle s'appelle Fiona. C'est la fille de Brendan Mallois, l'homme qui faisait des recherches ici. Tout le monde a cru qu'elle était morte avec ses parents quand le château a explosé. Mais elle a survécu et erré dans le marécage près du château depuis tout ce temps. Donc, si notre mariage a lieu, on va se retrouver avec un nouveau parent un peu cinglé. Ouais. Je vais continuer mes recherches. Super. Je vais vous attendre ici. Eh ben, mesdames, messieurs, on va s'arrêter là-dessus. J'y crois pas. Beaucoup d'infos. Là. Matt est en fait emprisonné là-dedans. Bon, alors, le coup du passage secret, j'avais raison. Maintenant, c'est vrai, j'avais raison aussi sur la gamine. Je pensais qu'on allait retrouver et la gamine et Matt au même endroit. C'est le cas, mais je ne pensais pas que Fiona était devenue tarée à ce point, finalement. Mais d'un autre côté, Matt vient de me dire que le coquard a dans l'œil de Kit, c'est une branche. C'est pas ce qu'il m'a dit, lui. Lui, il m'avait pas dit que finalement c'est Matt qui lui avait mis un pain dans la gueule. C'est louche. Ça se trouve, Matt est en train de me doubler, là. Ça se trouve, quand je vais essayer de sortir d'ici et que je vais dire « Matt, ça y est, j'ai ouvert », il va me pousser dedans et va dire « Ah, je meurs bien à voir. En tout cas, mesdames, messieurs, on verra ça dans le prochain épisode où on doit fouiller ce gros bunker. Ça sent bon. Hein.